projet Chair du Burkina Faso a été créé en 2015. Les ministères concernés pour l'exécution du projet sont le ministère en charge de l'économie, le ministère en charge de l'action sociale, le ministère en charge de l'éducation et le ministère en charge de la santé. Les domaines d'intervention du CIET sont la plupart dans le domaine de la promotion de la jeune fille, l'éducation de la jeune fille, l'autonomisation économique de la femme et de la fille, la lutte contre le mariage de l'enfant, la planification familiale. Disons que les résultats engrangés par le projet sont immenses, mais on peut citer entre autres quelques éléments phares. 60 000 kits ont été acquis et mis à la disposition du ministère en charge de l'éducation pour les filles vulnérables. Et 40 000 filles vulnérables ont bénéficié d'appui spécifique pour l'hébergement, les locations, le cours d'appui. Et 1 700 encadrés enseignants ont vu leurs capacités renforcées grâce à l'intervention du projet. Le projet est à sa phase terminale. Nous abordons la deuxième phase du projet qui est CIET Plus. En termes de défis, c'est d'œuvrer pour la signature de la convention, pour la mise en œuvre. Et dans sa mise en œuvre, en termes de défis, nous pouvons citer l'étalage du projet sur plus de 3 régions, pour atteindre 12 régions par rapport à 8 régions qui étaient initialement abordées.